Bonjour Antoine, bonjour les amis, ici Casamania. Bienvenue à vous sur votre série du samedi matin, à savoir la Select Free to Play. Vous connaissez sans doute déjà ce format de vidéo dans lequel je vous propose de découvrir chaque semaine, chaque samedi, 5 jeux gratuits disponibles dès maintenant sur PC. N'hésitez pas à réagir en commentaire, en nous partageant vos jeux du moment, qu'ils soient gratuits ou non. Pour ma part, je passe pas mal de temps sur Genshin Impact avec Inotna le soir et en live. J'en profite pour faire un petit point sur les lives qui ont lieu en simultané sur Twitch et YouTube du lundi au jeudi en soirée. Vous êtes nombreux à passer, ça me fait énormément plaisir. Un grand merci à Charlotte Evergarden pour ses généreux subgifts sur Twitch et un bisou à Timothée G pour avoir inauguré le système de souscription sur YouTube. Quoi qu'il en soit, merci à tous mes abonnés, subs, visiteurs. Sans vous, cette chaîne serait bien vide. Merci d'être toujours présent en nombre, ça me touche chaque jour. Allez les amis, on s'installe confortablement, on prépare le café, car voici la Select Free to Play PC numéro 175. On commence cette sélection avec un jeu navigateur, à savoir Wartime. Wartime est un web browser game de stratégie jouable gratuitement. Le titre vous permet de gérer une petite coalition armée ayant pour rôle de débarrasser la Terre d'un énigmatique commandant sombre voulant déstabiliser la planète. Le jeu offre un gameplay très facile à prendre en main, dans un univers coloré et cartoonesque. On n'est clairement pas dans du wargame élitiste, mais sur un jeu de stratégie fun et facile à appréhender. Gestion de troupes, construction de base, amélioration d'unités, recherche en armement, contrôle de territoire, tous les ingrédients d'un jeu de plateau sont présents. Outre l'histoire principale qui vous demandera d'annihiler les forces du Dark Commander, vous aurez la possibilité de jouer en ligne avec d'autres joueurs, de partager des territoires, de lier des alliances afin de devenir plus fort. Le soft est totalement traduit en français et ne nécessite aucun téléchargement. Wartime est un jeu adapté à tout style de joueur. Que vous passiez juste 5 minutes en jeu à votre pause de midi ou plusieurs heures après le boulot, il y aura toujours de quoi faire. L'avantage, c'est que vous pouvez vous lancer dans l'aventure en 10 secondes sans aucun téléchargement, quelle que soit la qualité de votre machine. Bref, Wartime fait passer le temps à moindre frais et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous pouvez jouer à Wartime dès maintenant en passant par le site officiel. Du cuir qui serre le fessier. Est-ce que ça vous tente? Alors voici Action Tamana. Action Tamana est un nouveau action RPG gratuit. Le titre vous propose de contrôler des jeunes femmes combattantes, que ce soit à main nue, avec des armes blanches ou des armes à feu. Vous évoluerez dans un Tokyo post-apocalyptique envahi par des forces démoniaques. Votre rôle, en tant que membre de la force spéciale Tamana, sera de nettoyer les rues de la mégalopole et de retrouver une étrange arme biochimique subtilisée par les forces ennemies. Au programme de l'exploration, du fight nerveux et rapide, des aspects de RPG à gérer, tels des skills à optimiser, du loot à gérer, mais aussi et surtout des gros boobs qui rebondissent partout. Car oui, le jeu sait mettre en avant ses héroïnes, dites-vous juste que l'armure qui protège le mieux est souvent la plus courte. A part ça, le soft offre une expérience rigolote dans un univers manga shonen avec des personnages qui ont leur petit caractère. Vous pouvez jouer dès maintenant à Action Tamana en le téléchargeant via Steam. Beaucoup moins nerveux cette fois-ci et surtout sans aucune paire de fesses, voici Mr. Mine. Mr. Mine est un idle game qui vous propose de gérer une exploitation minière. Comme tout bon idle game, le but sera de gagner le plus d'argent possible et ce de manière quasi autonome. Si vous aimez les chiffres avec beaucoup de zéros, vous allez adorer ce jeu. Vous commencerez par sortir quelques kilos de charbon avec un petit mineur payé au SMIC, puis vous réinvestirez l'argent de la vente pour employer plus de monde, améliorer votre équipement et forer toujours plus profondément. Il faut le dire, il y a une certaine satisfaction à voir sa petite entreprise grandir au fur et à mesure de la partie. Vous pourrez grandir de manière infinie et ainsi peser plusieurs milliards de dollars. Graphiquement, le jeu est plutôt basique, voire même un peu moche. En contrepartie, il est hyper addictif et plutôt complet pour un clicker game. Sur le gâteau, il est intégralement traduit en français. Bref, un bon idle game, ça fait toujours plaisir. C'est tout à fait le genre de jeu que l'on peut se faire en matin stream ou une série du coin de l'œil en soirée tranquillement avec son chat. Bon, vous pouvez y jouer même si vous n'avez pas de chat. Mr. Mine est à télécharger sur Steam. On passe sur un indépendant qui fait office de must-have, à savoir Kingdom Newlands. Kingdom Newlands est un jeu unique qui mélange gestion, aventure et survie. Le soft vous propose d'incarner un jeune souverain qui devra prendre soin de son territoire et de ses sujets tout en explorant le monde afin d'assurer la croissance de sa patrie. C'est un pitch bateau, vous en conviendrez, mais ce qui est assez étonnant avec Kingdom Newlands, c'est que tout le jeu se joue en side-scrolling horizontal dans un univers rétro pixel 2D.
Autant dire que le titre propose une direction artistique unique, semblable à aucun autre jeu, et le gameplay est quant à lui plutôt atypique. Concrètement, votre aventure alternera entre phases d'exploration à travers tout le continent, avec des phases de construction pour optimiser votre base, et des phases de combat lors de raids ennemis. Le tout dans un univers médiéval fantastique qui vous promet de nombreuses rencontres incroyables. Le jeu est hyper simple à prendre en main, il ne nécessite pas une grosse config, mais propose un gameplay riche et un univers ultra fourni. Bref, Kingdom Newlands est une petite pépite, une exception à un jeu indépendant qui se démarque de tout le reste. Kingdom Newlands est un jeu payant, mais vous pouvez le débloquer gratuitement, et ce, pour toujours, en passant par l'Epic Game Store entre le 15 et le 22 octobre. Mon conseil, foncez. On termine cette sélection par un jeu auquel je ne jouerai sûrement jamais tellement je suis fou ça, c'est Amnesia: A Machine for Pigs. Amnesia: A Machine for Pigs est un survival horror à la première personne. Cet opus, c'est la suite de Amnesia: A Dark Descent, un phénomène qui a inventé un nouveau sous-genre de l'horreur dans les années 2010. Dans Amnesia: A Machine for Pigs, l'action se déroule en 1899. Vous incarnez Oswald Mandus, un riche industriel qui se réveille dans son lit après une grosse fièvre. Tout semble partir en vrille. Des choses étranges se préparent et les enfants d'Oswald sont en danger. Le soft vous propose de contrôler le héros en vue première personne. Vous devrez explorer votre manoir et les alentours afin de comprendre ce qui se trame. No spoil promis. Votre protagoniste ne combat pas. Non, il peut interagir avec beaucoup de choses, courir, se cacher, mais pas combattre. Si bien que vous aurez sans arrêt l'impression d'être une proie prête à se faire abattre. Le propos de l'histoire est plutôt rude, voire mature. On balance entre la folie, la satire sociale et la violence gratuite. Ce n'est pas forcément un enchaînement de scènes choc qui font la marque du jeu, mais une ambiance ultra pesante, et ce de manière constante, qui en font un titre vraiment anxiogène. Si vous aimez ce genre de défi, je vous invite à vous y plonger toute une journée volet fermé. Bon courage. Amnesia: A Machine for Pigs est un jeu normalement payant, mais vous pouvez le débloquer pour 0€, et ce jusqu'au 22 octobre en passant par l'Epic Game Store. Voilà les amis, c'était ma Select Free to Play PC numéro 175, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avance pour vos pouces bleus, partages et abonnements. N'hésitez pas à me proposer dès maintenant des jeux gratuits que je n'aurais pas encore cités lors d'un précédent épisode de la sélection Free to Play. Vous retrouvez tous les jeux suscités en description de vidéo ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux, Bon Plan et Instant Gaming, partenaire de la chaîne, pour acheter vos jeux à prix cassé. Je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Amusez-vous bien sur vos jeux préférés, prenez soin de vous, paix et félicité, c'était Kaz.